Alors, coucou les apostats, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. William Cash. Là, Afro style. Et voilà, les amis, nous sommes arrivés à Lille chez ma petite sœur chérie. Mais voilà, c'était vraiment une coïncidence. On est arrivé juste au moment où elle aussi venait de rentrer des courses et tout. Donc, c'était vraiment une belle petite surprise. On s'est croisés juste devant la porte. Et voilà, ben, on vient d'arriver. Et ma petite chérie, je vous présente ma sœur. C'est Loïssa, c'est ma jumelle. On m'a cherché la pierre. Voilà. C'est celui-là qui est en train de. Voilà, coucou. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Attends. Mais voilà, Baptiste, bon, elle va aller chercher notre petite princesse à la crèche. Et après, bon, on va faire. À tout à l'heure. Honky, j'entre. Stratonus est déjà là. Elle est arrivée depuis. Elle Mamou, j'ai fait ma vidéo, mais franchement, quoi. Moumou, même. Coucou. Coucou, coucou. Voilà. On vient d'arriver. Et voilà, je vous présente la maison de ma petite soeur. Donc là, nous sommes juste à l'entrée. Regardez comment c'est très, très bien accueillant. Donc, nous sommes à l'entrée. Je vous présente. Ça, c'est le hall d'entrée. Bah, tout en face de moi, ce sont... Et les salles de bain. Et du coup, on a une porte ici. Allumez, les filles. Donc, du coup, on a le salon qui est là. Voilà. On a le salon. C'est bien décoré. Elle a du goût. Ça fait partie de la famille. Hein. Voilà. Voilà, Mamou est déjà en train de manger. À peine qu'on est arrivé. Bon appétit. Merci. Allez, mademoiselle Stratonie, ça va? Ça va. Et là, on va à la cuisine. Je vous présente la cuisine bien rangée. Ah, elle a hérité ça de moi, franchement. Juste comme il faut. Voilà. Bon. On a fait le tour de la maison. Je ne vais pas aller dans la chambre parce que faut pas qu'elle se fâche, hein. Donc si elle rentre et qu'elle veut que je prenne sa chambre. Là, vous allez voir sa chambre, dans le cas contraire, bah, je vous ai déjà fait un petit tour de la maison. Il y a la chambre de la petite et il y a la chambre de maman. Mais ici, je préfère ne pas vous montrer parce que c'est pas chez moi. Avec ma fiole, elle est toute contente d'avoir revu sa marraine. Allez, que tu tournes ton visage, mon amour. Voilà, elle est là, ma petite chérie. Tu veux combien de fois j'ai tout elle sorti? Elle est déjà fatiguée. Elle me fait des deux. Demain, c'est son anniversaire. Allô, les enfants style, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, hyper bien. Voilà, on vient juste de se réveiller. On a eu une nuit agitée. Ça faisait longtemps que je ne suis pas venue chez ma soeur. Donc, du coup, on a causé jusque tard dans la nuit, jusque minuit. Et après, ben voilà, on a eu du mal à dormir, on a aussi bu un peu. Du coup, voilà, on vient de se réveiller, il est presque midi. Maintenant, on commence les préparatifs pour la fête d'anniversaire de ma petite princesse. Donc, tout le monde est à la cuisine. Bon, Abisha a bouché ses oreilles comme d'habitude, donc elle est toujours en train de boucher ses oreilles à la cuisine, déjà dans le téléphone le matin. Serena est à la fin, donc voilà. Elle attend le déjeuner. Et ici, notre divine nous fait le déjeuner, elle ne veut pas qu'on voit son visage. Elle va me réveiller. Bah, c'est pas grave, on va voir toute la pleine tête. C'est encore quoi là-bas? Je vais la voir. Et là, ça qu'est-ce que c'est pas ça? Tu fais quoi, Lou? Je fais la pâte de beignet, moi. Voilà, elle nous fait la pâte de beignet. Lou, on est passé beaucoup. On passe combien de kilos? T'as pris combien de paquets de farine? Lou, là, il un beaucoup paquet. Là-bas un peu. Il fallait deux. Il y a un paquet à quoi? Diminue quand même. Hein? Voilà. Le paquet là est deux pour truc. C'est ma petite soeur, elle s'appelle Loïssa, mais je vous ai dit hier, hein. Enfin je crois oui. Ah oui, oui. Et là, bon voilà, on est à la cuisine, donc ça commence. J'ai présenté la cuisine hier dans son état tout propre. Hein. Mamour est là, il s'ennuie un peu au milieu de toutes ces femmes-là. Ça va mon cœur?
a fini le déjeuner. Je suis à la cuisine, je suis en train de faire les beignets. Donc la pâte est déjà prête, donc du coup là maintenant je l'ai fait. Et les autres sont allés faire quelques petits achats. Mais après comme ça il faudrait faire vite parce que j'ai 14h et une journée ça passe tellement vite, on ne se rend pas compte. Et voilà, on est déjà prête. J'ai déjà lavé, maquillée. Et les invités de Gebura sont Gebura. Là. Joyeux anniversaire, princesse. Happy birthday. Ah, des deux. Happy birthday, mon amour. Voilà, elle est un peu timide face à la caméra. Rima, elle dit, c'est déjà prête. Now, let's go to the kitchen. On va à la cuisine. Et bien là, on a la cuisine. Franchement, c'est Strapinus qui a fait tout le repas. Elle a fait tout ça toute seule, donc elle a prêté avec, avec Loïssa. Donc Loïssa, en fait, elle a passé toute la journée à faire les courses, à monter des choses. Donc franchement, elle aussi, elle est super crevée. Donc moi, j'ai fait des beignets, j'ai fait la décoration. On a préparé, on a fait des beignets, des bâtons de manioc, du poisson, les condiments pour le poisson. Les boulettes, des pilis, des ailes de poulet. Vous savez que le rose, c'est ma couleur de prédilection. J'adore le rose. Donc aujourd'hui, j'ai mis un look total rose. Même le make-up, du rose, des vernis roses, partout. Voilà, j'aime bien. Donc ma petite princesse est là, 3 ans. Bon voilà, j'ai mon ex futur beau. C'est compliqué. C'est une histoire très très compliquée. Et ça compliqué. Mon ex futur beau m'a gardé une bouteille de Chivas avec le verre. Voilà. Il était, peut-être il sera. Voilà. C'est toujours la famille qui arrive. Bonsoir à tout le monde. Salut d'abord. Nous sommes les belges. Voilà. Ben voilà, je suis en train de filmer. Voilà, moi c'est Nord. Enchanté. Ça va? Ah ouais, enchanté. Williams. Enchanté. Dani de Marc.
Tu n'en auras plus jamais parlé de moi. J'ai pris la bonne décision, j'ai fait le bon choix. J'ai perdu trop de temps derrière toi, sachant que tu ne m'aimais pas. Descends aux enfers dans le tunnel de l'amour, mon cœur crie. J'aurais pu mourir pour toi. Ouais, j'aurais pu die pour toi. Un minimum de dignité il me reste. Alors de cette situation je m'en vais. Je ne veux plus de marche arrière. T'ouvriras les yeux bien trop tard. Dis-moi ce qu'il fallait que je fasse. C'est la question que je me posais. Mais pas de place pour les remords. Je me suis concentrée sur ce qu'elle ne comptait pas. Pourtant je savais que toi et moi c'était deuil d'avance. Faut que j'aille de l'avant. J'ai enfin ouvert les yeux, il n'y a aucune romance. Je me suis rabaissée à te supplier. C'est fini, j'abandonne. J'ai beaucoup trop essayé. I'm still down. Sometimes I cry. I'm consciously waiting for you, waiting for you. I'll be fine. I still want you, but I need to go forward, forward, to go forward. La tête remplie de nouveaux projets. Tu m'as pas mal retardé. Un jour en toi ça fera tic-tac. Tu le réaliseras puis tu le regretteras. Je serai déjà trop loin pour que tu me rattrapes. Tu verras tout ce que tu rates. À force de me voiler la face, je suis restée sur la même place. J'ai enfin ouvert les yeux, il n'y a aucune romance. Je me suis rabaissée à te supplier. C'est fini, j'abandonne. J'ai beaucoup trop essayé. I'm still down. Sometimes I cry. I'm consciously waiting for you, waiting for you. Fine, I still want you, but I need to go forward, 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 to go forward, forward. Coucou les Afrostars, et ben voilà, ici c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà, ma petite princesse, son anniversaire s'est très bien passé. Elle est super contente. Là, elle a mis un de ses cartons. Elle aime bien, elle apprécie et tout. Elle est déjà fatiguée, elle est déjà 21h passées. Donc voilà, la petite princesse va faire dodo. Bah, d'ici là, à la prochaine vidéo, les amis. Bisous, kiss. Maman, je voulais... Qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je continue le rangement et la fin de soirée avec mes princesses. À la prochaine vidéo, les gars. Bon, voilà, il y a Divine derrière qui fait toujours un peu sa petite folie. Hein. Les filles sont là, tout le monde est déjà. Assez, je crois qu'ils ont bu assez de shampoing et ça les a rendus sous. La maman de Gebura, elle est complètement fatiguée. Et Stratonis qui a fait le repas toute la journée. Alors, on a les invités de Gebura qui sont là. Et bon, Abby, là, on les invités, venez boire avec nous. Ah, mais voilà. Venez boire avec nous, c'est papa Afrosti. Non. Venez boire avec nous. Ah, ben voilà. Papa Afrosti, c'est cool. On est obligé de croire qu'il y a ici, Papa Afrosti. Papa Afrosti. Papa Afrosti. Papa Afrosti. Moi, ici, Tanti Afrosti. Voilà, Tanti Afrosti, là. Allez, les gars. Les Afrostai. Les Afrostai. Les Afrostai. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Allez les amis, à la prochaine vidéo les guys. Voilà, nous sommes le lendemain de l'anniversaire et les filles en fait sont allées dans la chambre de leur tante. Elles ont porté tous les vêtements et voilà, c'est devenu de la friperie. Chacun cherche ce qui lui suffit quoi. La pauvre, elle n'aura plus de vêtements d'ici là. C'est la robe. Bonjour, bonjour les amis. Bon voilà, aujourd'hui,
On a déjà terminé l'anniversaire hier, c'était vraiment juste magnifique, juste fantastique et tout. Donc là, je suis déjà prête pour partir. J'ai mis ma robe de chez Chen. Pourquoi? Et voilà ma petite soeur. Elle est tout bracadabrac. Tout bracadabrac. Même sans mec comme chérie, t'es belle. Merci. Tu es une belle femme. Merci. Voilà. Célibataire ou mariée? Célibataire en Jussi. Voilà. Elle est célibataire. Donc vous pouvez envoyer votre demande. Envoyez votre dossier. Voilà. On a Stratonis en train de manger. Hein, celle-là, franchement. Mm-hmm. Vous êtes célibataire ou? Célibataire ou marié? Mais voilà, dans la famille Afrosta, il y a beaucoup de célibataires et tout. Et voilà les filles, en fait, vous allez vider la garde-robe de ma soeur. Hein. Ça me va pas? Ah, c'est beau, alors ça me va bien. Oui, voilà, elles ont vidé la garde-robe de ma petite soeur. C'est quoi ça? Tout en manqueur. Elle pleure. Oui, l'autre en blanc, là, tu peux prendre. Mais ça va. Ça demain? Voilà. Et William, c'est là. William, en fait, je vous explique. Hein. Je vous explique ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi la racine prend comme mon cœur. William s'est un peu énervé. Donc hier soir, je sais pas où il a mis ses iPods. C'était dans sa poche, c'est tombé. On a ramassé, on l'a donné. Il a remis dans sa poche. Et depuis ce matin, on cherche, on ne trouve pas. Donc du coup, on a fouillé toute la maison. On a fait tout le grand nettoyage. On n'a rien trouvé. Donc, je sais pas, peut-être un invité porté avec bon ou pas. On va encore rechercher. Et là, du coup, il boude, il s'énerve. Et voilà. Il me rend responsable. Il dit que j'aurais dû le garder. Aïe, yo, yo, yo. Aïe, yo, yo, yo. Est-ce que je suis lourd? Je ne pèse pas. C'est étiqueté. Voilà. On fait comment? Quand est l'anniversaire, mon tard? Prends un autre temps. Merci! Vous avez vu la force des caméras? Je ne vis que pour les caméras. Je ne vis que pour les caméras. Ouais, pour ton anniversaire, comment on était? Voilà, c'est mon gros anniversaire en retard. Et comme ça, il y a l'homme, mon Maurice. Mais je vais essayer. Ma soeur, tu connais l'autre, tu as une robe rouge, là, tu avais essayé, tu as dit que c'est là, c'est encore là-bas. Non, je voulais pas celle-là. Essaye alors. Elle a dit que non, elle est venue, elle a vu ce qu'elle voulait. Non, non, je voulais au départ, mais quand j'ai essayé, ça ne donnait pas. Ça ne sert à rien de prendre quelque chose que tu kiffes. Tata, il veut que tu me commandes plus ou moins, un peu près, mais pas la même chose. Non, 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 il n'y a pas de plus. Non, pas la même chose, non, je ne veux pas. Il n'y a pas de plus ou moins. Non, je parle de la couleur, maman. Non, je ne mets pas la même chose qu'elle. Non, moi non plus, je ne veux pas mettre la même chose que toi. Non, maman, moi, je ne mets pas la même chose que toi. Moi non plus. Mais oui. Tu parles, maman. On va poster ça. Mais ok, est-ce qu'on fait du semblant? C'est la preuve, c'est le marché. Je dis, t'as pas de famille, c'est de ton mari. C'est la famille des fous et folles. Tata. Si tu souffres, le père. Et maman, t'es belle, hein? Prends la caméra, papa, parce que ça ne fait pas. Quand tu parles là, il faut la blague. Non, mais non, si tu me. Le week-end est terminé, c'était vraiment un petit court week-end juste magnifique. Et là maintenant nous sommes sur le chemin du retour. On est en train de rentrer avec un bon petit soleil, hein, même s'il fait froid dehors, mais bon voilà, le soleil est vraiment top quoi. Bon, je crois que ici finalement on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Allez, coucou les amis. Bon voilà, nous sommes à la fin de ce weekly vlog. On est sur le chemin du retour. Tout le monde est là dans la voiture. Donc du coup, bah, on se dit à la prochaine vidéo, les amis.